Je vais me réveiller. Vous avez entendu? Il croit qu'il dort. Faut que je me réveille. Faut que je me réveille. Ça va, on a compris. Tu te répètes, mon gars, tu te répètes. Pardon. Mais vous êtes qui là-haut? Vous êtes combien là? Un certain nombre, si tu veux savoir. Et même un nombre certain. Et plus nombreux que les autres là-haut. Ah Marcel, toujours un mot pour rire. Et vous connaissez l'histoire du gars qui débarque avec des costumes sur le bras? Je la connais, Marcel. Il faut déjà que... Oh, je veux pas dire Marcel, mais tu fatigues. Oh, ça va, si on peut plus s'amuser. Mais dites. Et c'est reparti. Toujours pareil avec les nouveaux. Le même tintouin qui reprend. Vous allez prévenir là-haut. Après, vous dire que c'est nous qu'on radote. Tu t'y croirais comment, hein Marcel? Excusez-moi, mais... Encore pressé. Coucou mon gars, t'as tout ton temps. Et même plus, hein Marcel? Assure Roger, c'est pas prêt de se terminer l'éternité. Faut que je me réveille. Mais sois pas idiot. Pardon? Mais t'as ton compte, Alphonse. Hein? Y'a pas de mal. Pardon? T'es bouché ou quoi? Tu dis pardon, je dis y'a pas de mal. Mais t'en veux pas, Roger. Je sais bien, mais... Y'a des moments où... Souviens-toi, quand t'es arrivé, c'est plus pareil, non? Je dis pas, mais quand même, c'est pas une raison pour nous casser les pieds. C'est vrai qu'on est bien entre nous, hein Marcel? Remarquez, on est de mort, mais on rit, non? T'as pas tort, Marcel? Je dis pas, t'as pas tort. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous avez voulu dire par ça, ton compte, Alphonse? Tu es mort, Alphonse. Tu saisis, là? Encore un tir de la comprenette? Vous pourrez nous envoyer des plus éveillés. Oh, viens, Roger! Bonjour, hein, Roger? Ouais, t'as raison. T'as raison Marcel, je dis pas. Arrêtez là, arrêtez, vous plaisantez messieurs. Je me suis juste endormi dans la cheminée et je suis juste un mauvais rêve, je vais me réveiller. Tu rêves pas, Alphonse. Une attaque au coin du feu à ton âge, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est pas possible. Et si, faut y faire mon Alphonse. Mais... Oh, mais y en a marre. Vous voyez, on recommence. Calme aussi. Je sais bien, mais... Il commence à m'énerver. Vrai, pas que ça à faire, ils entendent radoter, pleurnicher. Bon, on verra plus tard. Allez, à tantôt. Mais... Mais laissez-moi pas. Oh, attendez-moi. Eh, oh, mais vous partez où, là? Eh, oh, mais laissez-moi pas tout seul. Oh, eh, oh, eh. Me laissez pas. Thank you.
disais, c'est pour tous ces idiots de village qu'on voit ici. On pourrait les enfermer. Mais ça, je l'étais déjà. Au service psychiatrique de l'hôpital de Landon. Quand maman n'arrivait plus à me calmer avec les 14 Valium par jour. Un an à crier, taper contre les murs, pisser sur moi, manger mes excréments. Typique, disait le docteur, hein. Typique pour les adultes du village. Et au bout d'un an, j'étais encore l'idiote. Donc je suis restée à la maison avec papa et maman. Et puis je cassais tout. Et puis papa a un pistolet. Et maman pleurait. Puis je crevais les yeux du chat. Et papa l'enterrait. Et maman pleurait. Et j'allais me retirer dans les bras de maman. Et puis papa pleurait. J'étais vraiment l'idiote, l'idiote typique. Bonjour, bonjour, c'est moi l'idiote du village. Avec les gamins qui attachaient mon pied au banc et puis qui me cachaient dans les toilettes de la mairie. C'était moi l'idiote, restée assise, sans bouger, avec mon sourire béat et cette marque de bave à mes pieds. Et puis j'étais toujours l'idiote. Alors je suis restée à la maison avec papa et maman. Et puis je cassais ce que papa a pistolet et maman pleurait. Il faut les comprendre, hein. Et je les comprends. Mais je ne pouvais rien dire, rien ne sortait. Jusqu'au jour où maman me fait boire de la grenadine mélangée à du tire-à-l'aile. Et 15 ans, je me suis arrêtée de respirer. Et là, je me suis mise à parler. Et qu'on n'arrête plus. Le bon, typique, bon dire. Typique pour les gosses du village. Plus la gaine, 2135. Ça monte vite le chêne, non? Service, 1636. Ouais, ça va. Marbrier, 500 le marbrier, hein? Toute la peine. Presse, plus article funéraire. Mais ce qui s'appelle que chi.